Salut les copains, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je ne suis pas du tout sereine, j'ai non plus. Vraiment, dis pas ça. En fait, j'en avais marre de ma gueule, c'est depuis longtemps que je vais aller chez le coiffeur. Du coup, j'ai demandé à ma soeur si elle pouvait me couper les cheveux. La dernière fois qu'elle s'est coupée les cheveux, c'était quand elle avait 6 ans, qu'elle se faisait une frange et elle a fait genre... En fait, ce système. En plus de ça, je me suis dit, mais quitte à changer de tête, pourquoi genre ne pas faire quelque chose de funky? Voilà. On a acheté une petite décoloration. Non, par contre, ça me fait un peu peur parce que la décoloration, ma soeur, elle m'avait dit, ouais, t'inquiète pas, ça va te faire un blond clair. Moi, ce que je voulais, c'était avoir un blond plus clair, mais clair sur les cheveux. Mais là, on a surpassé ma demande. On m'a pris ça. Noni. Je sais pas si vous verrez, mais genre. Moi, ce que j'ai peur, c'est que après t'es des reflets jaunes. Et là, il va falloir aller acheter du shampoing violet, par contre. Really, nigga. Ça va être une petite aventure, une petite expédition. On vous invite à venir avec nous. On va tester ça. De toute façon, j'ai rien à perdre. Ça fait super longtemps que je me suis pas posé. Oui, parce que. Alors, déjà, la manière dont tu lisses les cheveux, c'est bizarre. Mais parce que c'est pas ma tête et que j'ai peur de te brûler les cheveux. Ouais. Je vais me lisser les cheveux moi-même, c'est pas possible. T'es un peu bête, genre. C'est bizarre de se les lisser alors qu'ils sont super courts. Bah oui, je sais pas comment tu veux que je te fasse un carré en fait. Comment dire? En fait, je sais pas vraiment ce que j'attends. Ce que je veux juste, c'est arrêter cette coupe mulet. Parce que là, la coupe mulet, elle est juste genre. Ah ouais, je suis en gris. Hein. Aïe! Bon, fais-le un peu, c'est pas mon métier, c'est pas mal la coiffeuse ici. Bonjour, je m'appelle Jeanne d'Arc. Et du coup, je comprends pas ce que tu veux, ce que tu attends de moi. Et moi non plus, je comprends pas ce que j'attends de moi, ce que t'attends de moi, j'en sais rien. Je suis censée te faire une coupe. C'est vraiment Sarah, démarche, je suis savoir de faire. Bonjour, je sais pas ce que je veux, mais faites pas quelque chose. Au début, je voulais que tu les coupes comme ça, sauf que. Genre voilà quoi. Fais comme tu veux quoi. Bah, oublie, alors, tu coupes un tout petit peu, je te dirai si c'est plus que si c'est Non mais c'est vrai, mais ils sont pas lissés les cheveux. Ah bon? Je suis plus stressée que quand mes potes ils m'ont rasé les cheveux. Et je crois que je suis plus stressée que toi. Non. On a dit pas trop des débuts hein. Ça te va ça? Ben je vois pas. J'ai un miroir. Comme ça, tu vois hein. C'est le petit truc qui est là? Oui. Frappe-moi, j'ai dit wesh. T'as pas envie de te frapper quand t'es sur mes cheveux? Vraiment pas. Oui, comme tu dis, oh là là. Pourquoi oh là là? Parce que rien. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous avez pas l'impression qu'il y a un petit problème d'égalité là entre les deux côtés? J'ai pas compris. Moi rien. On dirait vraiment Jeanne d'Arc comme ça. Aïe. Pardon. Tu as mis le ciseau dans l'oreille. Oula. Oh non, tu m'as regardé, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Bon, est-ce que tu veux que je coupe plus court? Je aimerais bien voir de derrière ce que ça donne, s'il te plaît. Ça fait un peu un disque. Hein. Essayez de faire un léger dégradé. Okay. Pourquoi je demandais ça? C'est bizarre, mais je suis beaucoup moins convaincue que quand mes potes ils m'ont rasé les cheveux. Genre. What the fuck? Regarde, c'est pas mal là. Tu veux que je réponde honnêtement ou. Oui. Bah, c'est pas ouf. Aïe. Plus on dégradé. Non, légèrement. Alors, ok, très bien, on va dire. Ah, non, c'est trop. T'as pas le matériel adapté, fais pas ça. J'aime pas couper comme ça. Mais moi non plus, j'ai pas envie de couper là. Et tu coupes. Petit. Non, pas ça. J'ai pas de dents là. La mèche elle était là, le ciseau elle était là. La nouvelle coupe de Sarah. Bon, on a l'impression que c'est pas très beau, hein. C'est parce que c'est pas très beau. C'est pas encore fini d'être égalisé, c'est pour ça que c'est pas très droit. Je pense que c'est bon, faut mieux passer à autre chose là. Si, faut passer à autre chose. T'es en train de faire des ravages sur mes cheveux. Quand t'essayes de trop t'impliquer dans quelque chose, c'est que ça tourne mal. Genre, j'ai essayé d'égaliser quand elle s'attachera les cheveux et tout. C'est très égalitaire, Sérène elle a bien travaillé. Ça va en vrai, la coupe, je pensais que ça allait être pire. On n'a pas testé la coloration au préalable sur ma tête, donc si j'ai des problèmes. En vrai, si ça me pique ou que j'ai mal, on enlève tout de suite ma main. You're single perfect for me. Reasons why you shouldn't me. With the number one, I'm super hot. With the number two, she's stupid not. With the number three, it's all you got and all you got is someone hot. Parce que c'est. Mais c'est jaune. Vraiment c'est genre ça avec les cheveux jaunes. Ouais, de toute façon c'est que des cheveux j'ai envie de vous dire. Ils vont repousser un jour ou l'autre. En gros Sérène on va faire toutes les longueurs. Et après on va remonter jusqu'au cuir chevelu. Et après on va laisser poser, tu me conseillerais combien de temps? Pour pas que ça fasse, parce que là ça a l'air d'être blanc. Et je veux pas que ce soit ni blanc ni jaune, je veux que ce soit juste plus clair. Je rince et je prends soin de mes cheveux. Dernier conseil, bah oui bien sûr. Je prends soin de mes cheveux, c'est d'ailleurs pour ça que je fais une coloration hyper chimique sur mes cheveux. Bah oui. Ah tout seul. Ah
Elle applique déjà. J'ai pas eu le temps de dire bonsoir. Imagine t'appliques pas bien et ça me fait des trous dans les cheveux. Mais tu me le mets partout dans le cou en fait. Vraiment, c'est quand même ma tête genre. Je suis en train de faire ça comme une queen et tout. Mais attends, c'est beaucoup plus. Mais il faut répartir le produit hein. Je répartis le produit. Ah bah ça se voit pas trop là. Non mais là c'est vrai, j'ai trop de cheveux là comme ça. C'est un sacrifice. Mais non. C'est comme si tu faisais un shampoing en ce moment. C'est ce que je fais hein. Heureusement que tu me le précises hein. Ils deviennent déjà plus blonds. Non. Mais t'as pas fini d'appliquer tout le produit. Ça veut dire qu'il y a des parties qui sont plus blondes que d'autres. De toute façon maintenant il n'y a plus de retour en arrière possible. De toute façon si c'est moche la couleur, je pense que toutes mes prochaines vidéos et toutes mes prochaines photos ce sera en noir et blanc. Non mais de toute façon là c'est pas fini. Bah si presque. Non, je pense qu'il faut quand même que tu renettoies. On dirait que je nettoie une serpillière. Je crois que ça va faire jaune un peu hein. Ah non. Et je sais pas, en fait il y a des endroits où c'est jaune et d'autres c'est marron, je comprends pas trop. C'est que t'as pas bien appliqué le produit. Ah si, je crois savoir où c'est jaune. Oh, mais c'est jaune de ouf ici là. Oh, non mais maman c'est vraiment jaune. Bon bah du coup les gars, on va faire pénétrer ça. On va laisser ça pendant 20 minutes et puis on reviendra vers vous après plus tard. Oh pas mal la luminosité. Bah en 20 minutes on peut regarder quoi? Un épisode de One Piece. Je ne sais pas de quoi je l'ai. J'ai l'impression qu'il y a des endroits où je suis marron, d'autres endroits où je suis jaune. Comment tu es? Vas-y, lève-toi. Bon, on se retrouve bien plus tard, hein. Mes cheveux sont un peu pressés. C'est pas folichon folichou, hein. Salut, j'ai les cheveux chauds. Jaune pipi, genre. C'est pas grave, ça change de tête. Ça va, Serène? T'es contente de ton résultat? Je suis contente de la coiffure. Je trouve que j'ai bien coiffé les cheveux. En vrai, là, on dirait ça va, on dirait une petite coiffure de BTS. Mais non, en fait, non, pas du tout. Dans la vraie vie, ça va pas trop. Je tiens quand même à préciser que de base, j'avais vraiment dit à Serène, je lui avais fait comprendre que je voulais juste éclaircir mes cheveux. Je me retrouve avec du jaune. Ouais bah oui, bah là c'est même pas éclairci hein. J'ai montré ça à ma mère. Elle va rire. Maman, tu dors pas? On va te présenter le visage. La nouvelle Sarah. On va te présenter la nouvelle Sarah. Oh putain. On dirait parce que t'es rookie. C'est même pas rookie à ce point là. C'est pas blanc du tout, c'est jaune. Non du coup ça va, t'aimes bien ma nouvelle tête? Ça va partir. Elle en a rien à foutre. Bah quand mes cheveux ils auront totalement repoussé et que j'aurai enlevé toute la couleur. Enfin, je trouvais que je vous avais laissé sur une fin un peu brute. Du coup je voulais refaire la fin de la vidéo et aussi vous montrer le résultat à peu près une semaine plus tard. On a fait la coloration mardi je crois avec ma soeur et là on est le dimanche. Mes cheveux ils sont un peu atténués au niveau de la couleur. Nope. Non en vrai je commence à bien kiffer. Je sais pas ce que vous en pensez mais de toute façon c'est trop tard donc si vous aimez pas, pas grave. Sur ce je vous dis à la prochaine. Puis portez vous bien et puis bah tchuss. 함께